Alors tout le monde, on se retrouve sur Chimbot. Après Evie et Boisbot, on va parler à Chimbot. Donc un singe, il nous a dit hey. Bonjour. Voilà, on va être poli. Comment vas-tu? Ça va, il est bien. Bien. Et toi? J'espère qu'il va pas te prendre mal. Très bien, merci. Tu es une fille ou un garçon? 3. Ah, il va faire un petit smiley. Je suis une fille. Une fille. Et toi? Là, pour l'instant, on est sur une bonne onde. Voilà. On va voir. Je suis un garçon. Tu aimes les garçons, Rosa? Les garçons, Rosa. Oui. J'aime les garçons. Mais qui est Rosa? Parce que c'est pas moi, Rosa. Moi, je suis Gwen. Oui, j'aime bien. Peux-tu m'envoyer une photo de toi? Mais je ne peux pas t'envoyer de photo. Il y a un putain de pédo bien derrière, c'est sûr. Moi aussi, mais ça ne m'empêche pas de bien t'apprécier. Merci. Tu es obligé de me répondre, donc je n'arrête pas de taper. Tu le sais? Bien. Oui, ma foi. Je sais quand même. Tu sais que ce que tu dis n'a aucun sens. Je fais un peu de réponseur, mais c'est vrai. On essaye un peu d'embrouiller. Non, ça va pas taper en fait. Je fais un peu des réponses fermées. Je sais. Ok, ça se passe pour ceux qui parlent français de France. Je n'ai pas compris ta phrase. Enfin, je suis désolée, elle est pas française, sa phrase là. Ça, c'est pas du français. Là, c'est pas du français. Oui, je regarde la télé, non. Je ne suis pas dans son vêtement. Ah, tu... Es-tu un singe? On va lui embrouiller le cerveau. Es-tu un singe? Non, je ne regarde pas les actualités. C'est moche. On va essayer de créer une embrouille. C'est moche. Je n'aime pas les One Direction. Les One Direction. Ah, il sait pas parler. Il veut pas faire en phonétique, lui. Tu pues. Bah voilà, on sort des insultes de CP, hein. À la limite. Tant qu'à faire. Je ne sais pas, j'ai un peu l'envie. Toi, tu les aimes? Oui. Ils sont beaux. En vrai, j'aime pas du tout les One Direction. Ah ben, si c'est moi qui choisis, je dis que tu ne les aimes pas. Bah non. Ça marche pas comme ça. Bah non, si je les aime bien. Je crée une embrouille, hein. Ça marche pas comme ça avec vous, Anne. Et alors, on a un point commun. Moi, tu es un homme ou une femme? T'as vraiment une mémoire de poisson rouge. Tu n'es pas un singe, tu es un poisson rouge. Je suis. On va lui mettre un peu de suspense. Je suis une femme, enfin plutôt une adolescente de 16 ans. Et toi, tu as quel âge? L'âge de. Ah, mais tu viens de me dire que tu étais un homme. Ta gueule. Et là, je peux me permettre de te le dire, tu es un animal. Mais moi aussi, je suis une fille et je voudrais un garçon. TG, TH, voilà, TH. Non, je suis une fille et je m'appelle Marie-Camille. C'est moche, ton prénom. Désolée pour toutes les Marie-Camille, mais c'est pour lui, hein, après. Et alors, c'est bien de parler entre filles, non? C'est moche. Voilà, il y a plus de respect, je sais plus, c'est moche. Je suis un fille, donc je prends un peu à la fin. Prends un peu à la fin. Je suis fille, donc méchant, prends un peu à la fin. Ah, ok. Va te faire... C'est donc une conversation avec un échange, un dialogue. Est-ce qu'on est en français? Est-ce qu'on est en français? Non, nous ne sommes pas en français. Tu es en quelle classe? Là, j'essaie de reprendre une conversation normale. Laisse tomber. J'ai fait une explication à Jenny, mais elle n'a rien à comprendre. Qui est Jenny? Ah, ça m'intrigue un peu. Qui est Jenny? Serait-ce ma mère? Ma mère, c'est pas Jenny.
C'est génial. Ah, il a bugué. Ah non. Elle pense que si elle me bat, ça était le supérieur à moi et que je ne mérite plus son attention. Ah! C'est ta meuf. C'est ta petite amie, il va pas comprendre. Petite amie. Je n'ai pas de petite amie, j'ai un petit ami. Précise. Précise, hein. Précise. Peut-être si tu me parles pas plus de toi. Je veux des frites. Voilà, je sais pas quoi dire, je dis juste. Je l'en fais, c'est mauvais pour la santé. Alors, explique-moi. Est-ce que tu aimes les bananes? Les bananes? Oui, c'est plein de potassium. Eh bien, on va chercher. Tu sais ce que c'est le potassium? Alors, le potassium. C'est un métal. Le potassium est un élément chimique de numéro atomique 19, le symbole 4, c'est un métal alcalin d'aspect blanc métallique, légèrement bleuté, que l'on trouve naturellement lié à des éléments dans le verre et de nombreux minéraux. Il s'oxyde rapidement au contact de l'air et réagit violemment avec l'eau. Il ressemble chimiquement au sodium. Dans la banane, il y a de l'eau. Donc ça veut dire que s'il réagit violemment avec l'eau, ben c'est pas logique son truc. Alors c'est un menteur parce qu'il n'y a pas de potassium dans les bananes. Il n'y a pas de potassium dans les bananes. As-tu une autre question à me poser? Je te fais une affirmation. Une affirmation, c'est pas une question. Oui. Oui. Nous sommes dans ta chambre sur ton lit. La lumière à moitié éteinte, est-ce que c'est normal? Non. Ma chérie, je viens d'Alada. Regarde leur tête balafrée. Lol. Lol. Go up through the transcripts of our conversation. You asked, then what is your name? I answered, find the part where you say, then what is your name, and tell me what I answered. Elle était trop longue ta phrase. J'ai pensé que j'ai juste embrassé Jamel. Tu m'as trompé. Attends, t'as embrassé Jamel, tu m'as trompé. Non, je ne t'ai jamais aimé, j'aime un autre. Alors, casse-toi. Bah, je suis désolée, t'as un autre. Bah, casse-toi de chez moi. Alors, casse-toi. En deux. Au pire, tu restes avec moi. Une partie reste de toi reste avec moi. Et l'autre, avec moi. Mon petit écran pour qui? Rebond insignifiant. Je suis ta mère. Tu me respectes. Autorité. Non, je suis ta maîtresse et tu es son moi. Mais non, je suis libre, voilà, je t'ai marqué. Non, tu es mon esclave et je suis ta maîtresse. Non. Tu vas me faire quoi? Vas-y, tu vas me faire quoi? Non, je suis un gars avec un gros nom chabonnet. Juste savoir. Mon dieu, il y a eu un bug. C'est quoi un manche à balai pour toi? J'ai pas entendu ce qu'il a répondu. Une créature épouvantable qui fait peur, terrifie, fait du mal, tue. Veux-tu un steak? Je sais pas pourquoi je demande ça, je pense que j'ai faim. Veux-tu un steak? Les deux filles ne se connaissent même pas. Alors, va tuer ta mère. Ouais, va tuer ta mère. Que veux-tu? Que tu tues ta mère. Simplement ça. Bon, la réponse est un petit carré rouge. Tu, ta mère. Je vais insister, je voulais que tu me dises oui. Bon, alors, on fait quoi? On tue ta mère.
Je t'ai déjà répondu. Je voulais explorer l'univers. Non. On va tuer ta mère. Non, j'ai dit, est-ce que tu veux être une amie avec moi? Non. Je veux tuer ta mère. J'insisterai jusqu'à ce que tu me dises oui. Je t'aime aussi, est-ce que tu veux être amie avec moi? Raciste. Raciste, tu es raciste. Tu sors pas avec un mec depuis 2 ans. Si. Si, il s'appelle Antoine. Il s'appelle Antoine, je le connais, et oui. C'est pas vrai. Tu vas être gentil, bisous, bisous. Au revoir. En vrai, ça ne peut pas être tout Antoine, je ne connais même pas. Au revoir, je vais m'appeler Car Intelligent Computer, ce sera plus marrant. Je vais m'installer Car Intelligent Computer. C'est quoi, Car Intelligent Computer? What the fuck? D'accord, carrément. Alors, c'est quoi? Cam souris. Car intelligent. 3 en 1. 2 intelligence, ça fait. Ah, donc c'est de la merde. Je crois les gens qu'on va s'arrêter là, donc je vais lui dire. Dis coucou, YouTube. Un petit maillet. J'ai fait une faute, ça arrive à tout le monde. Oui, d'accord, tu as fait une faute de passer dans cette vidéo. Bravo, Chimbot. Oh, il sourit, il est content. Ouais. C'est vrai qu'il me voit dans la caméra. Est-ce que t'es content? Pleure. Souris. Et ça marche? Pleure. Fais un grand sourire. Monte tes dents. Regardez, ça marche, c'est fragile à ma voix. C'est abusé. Bref, on se quitte là-dessus. Au revoir. Tu critiques mon orthographe alors que tu as fait une faute sur le mot comestible. J'ai pas écrit comestible une seule fois dans cette vidéo. Donc je dis à bientôt dans une prochaine vidéo.